Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, j'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne encore, mais aujourd'hui en fait la nouvelle bande-annonce du nouveau Star Wars, donc épisode 8, est sortie. Et je l'ai pas encore regardé, on va la regarder du coup ensemble. Je pense que ça va être de la bombe. On verra aussi du coup ma réaction pendant qu'on regarde le trailer ensemble. Vous le verrez, il sera juste ici en bas dans le... incrusté quelque part dans la vidéo, sûrement ici en bas. Et puis voilà, donc c'est parti, je suis super impatient. Je vais le regarder, je mets en grand écran et je le lance. Il dure 2 minutes 12 apparemment. Donc voilà, Star Wars épisode 8, le dernier Jedi, trailer. On regarde en direct ensemble, c'est parti. La belle Rey. Léa. Le manuel des Jedi. Donc voilà. Alors, sur le coup là, c'est une première bande-annonce, hein, donc c'est les premières images qu'on a vues du film. Je suis... Autant le film, je pense qu'il va être bien, mais ça m'a pas fait le même effet que quand j'ai vu la bande-annonce de l'épisode 7. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais voilà. Après, c'est ce que ça m'a donné par contre comme sensation, c'est que ça m'a un peu confirmé ce que je pensais dès le début, depuis que j'ai vu l'épisode 7, c'est que celui-ci va rajouter encore un chapitre, un élément de détail à l'épisode 7, ce qui va mettre du coup plus de logique. Parce que voilà, dans l'épisode 7, beaucoup se sont plaints, ouais, mais c'est exactement la même histoire que le... Et comme j'ai toujours dit, il va falloir attendre les épisodes 8 et 9 pour pouvoir apprécier bien le 7. C'est toute une nouvelle trilogie. Et du coup, selon la bande-annonce que je viens de voir là, de l'épisode 8, ça confirme ce que je pensais. Donc c'est que ça va rajouter du détail à cette nouvelle histoire de Star Wars. Donc je suis quand même excité pour le film. La bande-annonce, je dois l'avouer, bon, c'est une mini bande-annonce, hein, il montre pratiquement rien. M'a pas fait un super effet de malade, mais ça promet quand même. Hein, ça promet quand même. On retrouve tous les autres personnages du film de l'épisode 7, sauf Han Solo évidemment. Mais oui. Je suis impatient de le voir aussi. Et en plus, on va encore voir la princesse Leia, Carrie Fisher, malheureusement qui n'est plus là. Mais qui avait quand même réussi à filmer sa partie, ses scènes dans le film. Donc rien que pour ça, le film va donner quand même une petite larme, je pense, et va être très bien. Donc voilà, c'était ma réaction sur la bande-annonce de Star Wars épisode 8, le dernier des Jedi.
La première bande-annonce, en tout cas, qu'ils ont lancée, elle est en VO, hein, c'est pour ça que c'est en anglais. Mais on a vu quelques détails, hein, comme je vous dis, le manuel des Jedi, je pense, là, le livre avec, on voit le dessin de l'Académie des Jedi. Ouais. Affaire à suivre. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Et à mettre un pouce bleu sur celle-ci. Un commentaire aussi. Je réponds à tous les commentaires. En tout cas, je les lis tous. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit aussi, ça va donner du lourd. Hein, si vous avez deviné quelle figurine on va voir. Moi, je vous dis encore merci d'avoir regardé. À très bientôt. Continuez à collectionner et que la force soit avec vous.